Là pour que nous saluions chaque bien-aimé, chaque frère et soeur dans la foi, chaque ami qui branchait les Zoa, pour nous méditer ensemble parole bon Dieu et pour nous conseiller, exhorter et à tous ceux ou du moins à toutes celles qui n'ont pas encore le Seigneur. Eh bien, pour que nous fassions œuvre qui vaille pour entrer la caille, mon Dieu. Nous disons le Seigneur merci pour ce grand privilège mérité parce que j'ai, parce qu'à l'étape de lui, constaté sommeil et puis réveil, ça a dit grand mot. Et aucun physicien ne peut en mesure, aucun scientifique, je parle juste pour qu'il explique le phénomène ça. Mais notre Dieu, notre Seigneur, lui fait lui. Et nous constatons seulement qu'il fait pour nous. Et c'est pour raison ça, eh bien, nous levons matin avec expression lève-nous, bouche-nous, et puis pour nous dire le Seigneur merci en signe de reconnaissance, en signe de révérence, en signe de respect. Et bien, pour nous dire, Seigneur, merci pour ce grand mystère. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Amen. Le thème que nous jouons là, c'est, vous connaissez, c'est la lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, et maintenant, il est presque arrivé dans, bon, il est arrivé finalement. Alors, nous sommes et au 31 et janvier 2021. Donc, c'est toujours estimé, c'est moi ça qui est plus long. Et nous boucler thématique là, mais on va garder, sauvegarder dans l'esprit où, parce que ce n'est pas un hasard que bon Dieu a inspiré notre bien-aimé et Pasteur Karl pour que lui vienne avec thème ça. Thème ça, il a toujours fait la une. Moi-même, personnellement, quand j'étais à l'école biblique, nous toujours débattu parce que, et habituellement, nous gagnons et faire rencontre, nous toujours faire rencontre avec des fausseurs, des gens qui minimisaient ou bien banalisaient Jésus. Alors, thème ça, c'est un thème sous pagain et bagages et pour faire approcher et ou pas qu'à convaincre et faux docteur yo ou bien faux sœur yo. Alors c'est pour prendre thème yo et puis rester accroché avec yo même et puis texte biblique yo bon pour vous. Et thématique c'est la prééminence, la prééminence. Et j'en ou constate li, et puis ou en conclusion, afin d'être en tout le premier. Et je montre nous qui relation qui gagne entre Christ et l'Église là, qui colle l'Église là. L'Église là m'a dit à ce que pour garder, sauvegarder l'unité li, avec tête là. Montrez-nous également Christ, il est l'alpha et l'oméga, le premier et dernier.
le commencement et la fin. Nous te prenons Genèse 1er. Nous allons dans Jean, chapitre 1er, verset 1er. Ou comprendre, c'est pour nous être capables de me songer dans la première méditation. Moi, c'est comme ça que j'élaborer. Maintenant, bien-aimé, nous avons une saveur thématique dans les lèvres, nous dans la bouche. Parce que la parole là, c'est miroir, non? Puis c'est l'op témoin, non? C'est pour faire éclairage pour nous. Il est important pour lire la parole chaque jour, journellement, quotidiennement. C'est pour lire la parole là, c'est pour manger li, c'est pour ruminer li, c'est pour remonter li. Même j'en soif un cola, ou soif un bagaille, ou fait yon mange, ou ta remè manger, c'est pour toujours manger la parole là. Parce que l'homme mange la parole, bien aimé, m'a bon menti. Eh bien, wap fort, wap jam. Et m'kwe, Job dit ça, oui, en chapitre 6, verset 63, il dit par là, c'est esprit et vie. C'est esprit et vie. Par là, c'est esprit et vie. C'est ça que je m'ado pour lire par là. Maintenant, je songe que m'de fait approche de texte, mais Esaïe, chapitre 30, verset 1er, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions, qui prennent des décisions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Alors, parole, ça a bon Dieu te chargé le bout de la Israël. Et ça fait un lien important pour bon Dieu, pour le Seigneur, qui est la tête de l'Église, qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, pour lui, eh bien, occuper première place dans la vie ou dans la vie, pas moins. Et grand pile temps qui gaspillait, bien aimé. Et tant ça, il faut chercher, il faut combler, une fois que moi avec ou souffle de vie à sous nous. Eh bien, c'est pour garder ce capable de racheter le temps. Jean-Paul, bon Dieu, enseigne-nous ça. Il dit, racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors, moi avec nous, c'est grand timoun. Et on nous fait l'évangile avec intelligence. Parce que, on peut comprendre, dans le moment ça là, tout le monde qui a une vision ciel, au cas fait constat et synthèse là par l'autre bagarre vous dit ah le Seigneur n'est pas loin et si n'a contextualisé les map garder pays dans dérive que lié qu'on y a là mais état que lié là à mon cher et n'a dit eh ben le Seigneur n'est pas loin c'est le moment pour nous eh bien, rapprocher, s'acter loin, rapprocher le Seigneur, s'acter loyer, bon Dieu, bon jeune, bon Dieu. Et l'en garder à travers notre pays, et l'en a fait constat côté nous et là, tout, dans le pays côté nous vivre là, eh bien, c'est pour nous dire le Seigneur, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et l'en a gardé dégâts, COVID-19 fait là, à, ça a rappelé mal ordre. Si nous voulons croire, c'était le Seigneur, c'est pour nous dire, ah, Seigneur, mille fois merci du fait que m'en vis toujours. Mais c'est pour raison qui fait ou aime le droit pour me dire ça. C'est parce que si notre temps que tu es passé ou tu es tombé sans Jésus, sous pas de guetta, c'était le Seigneur. Ça tape terrible pour vous. Et c'est le moment pendant qu'on a respiré là pour dire le Seigneur, mais la vie, moi, c'est pour dire 2021 ça, fait 2021 ça, eh bien, et date pas moins, jour pas moins, heure pas moins, minute pas moins, seconde pas moins. Ben, il y a deux textes qui marquent moi dans la relation
tek sa, si ou ta kwaze avec un monde qui t'a dit ou qui moun Jésus est, eh ben ou a pas même ou a pas mesure pour que ou dit. Là me garder dans fait ministère le Seigneur prière dans prière sacerdotale dans Jean 17 verset 3, il dit oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse le seul vrai Dieu hein celui hein, qui a envoyé Jésus-Christ hein le seul vrai Dieu là sou moun ta di Jésus pas Dieu faut voir là dans texte ça pour le garder demander pour garder ça celui que tu as envoyé Jésus-Christ c'est pour vous là garder texte ça oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse le seul vrai Dieu alors ici si on parle de vrai ici eh ben gonfo mais on parle de vrai là de vrai Dieu celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, et l'autre texte m'a quitté, non mais encore, c'est dans Jean 14, et verset 9, là, il y a un entretien entre Philippe et le Seigneur. Jésus lui dit, et il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, c'est l'organe des interrelations. Hein? Eh bien, bon Dieu, eh bien, l'a dit Philippe, c'est moi-même qui bon Dieu à la. C'est moi-même qui bon Dieu à la. Alors, quitter texte ça, mais c'est pour ça. Et c'est comprendre que vous avez un gros bon Dieu. Et vous gagnez rendez-vous avec médecin. Maintenant, avant, il faut y avancer. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, il dit quiconque ne fut pas trouvé son nom inscrit dans le livre de vie sera jeté eh bien, dans l'étang de feu de soufre. Fut jeté. Alors, ne pas oublier, livre ça, c'est un livre qui comporte eschatologique, il est écrit au passé futuriste. Au bon bien. Alors, pas bon appel qui va le faire. N'a demandé est-ce qu'on a plat? Est-ce que m'a plat? Est-ce que nous a plat? Moi avec ou question ça fonne poser puisque ou bon rendez-vous avec le maître ou bon rendez-vous avec le Seigneur ou besoin ouvrir les yeux pour est-ce que rendez-vous ça est-ce qu'on a plat dans Matthieu chapitre 26 à bon dernier cette scène, à bon dernier repas avec le maître, avec le Seigneur, avec la tête de l'Église, avec l'époux de l'Église. Alors, on a demandé est-ce qu'on a là, est-ce qu'on a dans dernier cette scène là, est-ce que on a là. Posez cette question et certainement faut là. C'est pour débrouiller pour là. Et si vous pouvez entrer la caille mettre là, si vous pouvez entrer la caille le Seigneur matin, c'est le moment pour prendre décision. C'est le moment pour dire Seigneur, moment arrivé pour me faire volonté. Moment arrivé, c'est pour occuper première place dans la vie moi. Dans l'esprit moi,
nan kò mwen, mwen men, se pou pren desisyon sa, matè ya. E ou em mantre direktman nan aplikasyon men nan exhortasyon men nan konsey ke m ap prodige avèk ou matè ya, se paske tan bien-aimé li marke danje, tan montre ou tan li preske rive nan fè li, e si ou moun ta rate okasyon sa, se ta plu gwo regre, se ta plu gwo remor, ko ta gen, men pandan, mwen avek ou nou gen sou de via, si gen ou moun ti gwo zami matè, ki branche, ou pan ben rezo wa, ki souline pourquoi c'était le Seigneur. Mais pas tarder. Pas hésiter à faire ça. Non. Et l'épître aux Hébreux, chapitre 10, il dit, retenons ferme la profession de notre espérance. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, gardez le verbe là pour eux. Et le verbe ici, en fait, c'est le verbe retenir. Le verbe retenir, impératif présent. Retiens, retenons, retenez. C'est un ordre ici. Retenons ferme la profession de notre espérance. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, le nom de Jésus ici, le nom de la tête de l'Église, eh bien, son nom ici est fidèle. Et quelle promesse? La promesse de l'espérance, et quelle espérance? L'espérance de la foi, notre plus grand trésor, l'espérance de salut, du salut, l'espérance du retour, l'espérance de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que moi avec vous, Nabla, raconte ça, n'en joue ça. Oh, celui qui espère, c'est celui qui attend. Quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui attend. Et Mathéa, et si vous pas serré, si vous pas serré, vous pas qu'à dire le lever matin pour chauffer. Et Mathéa, moi encourage au Mathéa, soit attend et qui soit attend. Et m'espérer que si gen moun matin, oh, ki pou ko gen rien nan men ou comme espoir, comme espérance, après la vie sur cette terre, ou dwe poser tête ou question, mais ki kote ou pral passé, et bien dernier jour, ki kote ou pral passé, éternité, ki kote ou pral passé, et dans la première lettre, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 au verset 18, l'on garde les versets 15-16 là, et nous avons deux groupes moun. Eh bien, Captain Promessa, c'est les morts en Christ, hein? Et deuxièmement, les vivants en Christ, oh, qui aspiraient au bon mère à cette promesse. On va le mettre cap, ça attendra de cette promesse. Mathéa, et, bah connaît, est-ce que, ou, pourquoi entrer la caïmette, ou pourquoi décider, mais Mathéa, la plus grande décision, eh ben, c'est pour dire le Seigneur, Mathéa, moment arrivé pour que, moi remettre la vie moi au Seigneur, moi mettre l'âme moi mettre l'esprit moi mettre corps moi
dans chapitre 5 là, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5 là, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, sans reproche, lors de l'avènement, lors du retour de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelle promesse, quelle espérance, l'espérance du retour, voir avec le Maître, voir avec le Seigneur dans le royaume, dans son royaume, chita avec lui. Il va te nous encourager, vous, bien-aimé. Zami Pam, pas fait tête ou raide. Et je vais comprendre dans Esaïe, chapitre 30, verset 31. Je vais terminer là. C'est des vieux contrats, vieux alliances. Moi, avec vous, nous te prenons l'un pour qu'on connaît bon Dieu. Et l'un a gardé si nous te mourir dans un moment, ça, à l'époque, ça, eh bien, nous t'avons raté promesse ça. Nous t'avons raté promesse salut. Nous t'avons raté promesse la foi. Nous t'avons raté promesse enlèvement. Mais heureusement, le Seigneur, il t'a un plan pour moi. Il t'a un projet pour moi. Il t'a un projet de bonheur. Il t'a un projet de paix pour moi. Il t'a un projet de bonheur pour vous. Il t'a un projet de paix pour vous. Et ça fait matin, on a besoin après la caille du Seigneur. Il dit ça, oui, dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Mais afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Bon, je fais projet de bonheur pour vous. Projet de vivre avec lui dans son royaume. Projet d'être avec lui. Alors, c'est ça, Mathéa. Oh, pas rater l'occasion de ça. Il y a des gens qui, par ennemi, et dragon ancien, serpent ancien, l'a fait l'ose avec eux, l'a fait aussi la langue. L'a joué dans la tête. Et il y a par esprit d'égarement, par esprit d'ignorance, eh bien, ennemi aveuglé jusqu'à ce que. Eh bien, ils ont mouru sans Christ. Ils ont mouru sans le Seigneur. Oh, ils ont connu un moment difficile, un moment de dur labeur. Ils ont connu, alléluia, un moment côté que vous pouvez passer l'éternité. Eh bien, dans l'enfer éternel. Matin, bien-aimé, ouvrez yeux pour qui le fait. Gardez qui le fait. Pas arrêtez-le encore. Arrêtez-le encore. Matin, tête l'église là, brûlez-vous. Amen. Tête l'église après l'eau, matin. Et nous-mêmes qui croyons, nous-mêmes qui membres là, eh bien, brûlez-nous. Matin, nous-mêmes qui déjà connaissons le Seigneur, gagnons une trilogie dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Là, on met à regarder lui. Regarde fond et forme, texte ça, nous est Christ, non seulement il est la tête de l'Église, mais il est le cep, le vrai cep. Et nous, en tant que corps, l'Église là, bon Dieu, pour nous demander, pour nous garder où la solidité, nous c'est sarment, nous c'est branche là. Et son papa, et notre Dieu, il est le vigneron. C'est lui-même qui a nettoyé nous. C'est lui-même qui a fait des herbages là. C'est lui-même qui a fait nettoyage là.
Vous comprenez, bien aimé. Et ça fait matin, moi, avec nous besoin d'être attachés, nous besoin d'être accouplés, nous besoin d'être collés sous mon Dieu, nous besoin de quitter les yeux nous sous mon Dieu. Et si je dis à moi-même avec nous et l'Église, au point de mer, sous besoin de donner, sous besoin de bailler bon don, sous besoin de bailler bon fruit, ou besoin de coller sous mon Dieu matin. Ou besoin de quitter les yeux sous mon Dieu, pour bailler bon fruit, bon don. Oh, alléluia. Bon, nous avons un rapport final que nous allons mettre là, pour nous soumettre avec à mettre là. Nous avons un rapport, nous allons bailler. Oh, qui sortait fait dans le corps. Ou mon mère, qui sont fait pendant tous ces jours, tout est là, qui sont à régler. Ou mon mère, mais moi avec vous. Ou mon mère, laisse ça, cahier après, dit ça, n'appelle là, dans le livre Révélation, chapitre 20, verset 15. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé son nom écrit dans le livre de vie, eh bien, fut jeté, sera jeté dans les temps de feu et de souffle. Oh, espérant que chaque monde matin, je vous appelle là, c'est pour nous là. C'est pour nous répondre présent. Oh, alléluia. Et nous inviter au matin, si vous sentez non pourquoi inscrit, si non pourquoi accrocher dans le livre la vie, eh bien, pressé. C'est le moment plus que jamais. Mais pour dire oui, le Seigneur, le moment est venu pour que, eh bien, pour moi, pour faire volonté, ou même pour moi, première place. Moi, c'est pour occuper la vie, moi. C'est pour siéger, assiéger la vie, moi, assiéger non, moi. Assiéger l'esprit, moi. Assiéger corps, moi. Maintenant, nous invitons, bien-aimé. Nous invitons, sous Pacola. Et bon Dieu t'encourage à l'église, ça. Il y a l'église, Philadelphie. Il dit, je viens bientôt. Où est-ce ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Maintenant, oh, l'église Philadelphie, certainement, elle était fort réjouie parce que lorsque le Seigneur a dit à parole ça, à parole d'encouragement ça, eh bien, il dit, je viens bientôt. Mais est-ce qu'on a une relation, hein? Est-ce qu'on a une interrelation, hein? Mais était l'église a dit ça avec l'église Philadelphie. Matéen, est-ce que Jésus c'est guidou? Est-ce que Jésus c'est tête ou? Matéen, et qui sont espérés? Et qui sont attendre Matéen? Hein? Est-ce que c'est retour? Est-ce que c'est promesse ça? Et quelle promesse? Promesse de la foi, promesse du salut. Et moi-même, promesse de voir le Seigneur. Bon, promesse de s'asseoir avec le Seigneur. Eh bien, Matéen, c'est occasion, oui. C'est pour qu'on entre. C'est pour qu'on bat le Seigneur la main. C'est pour qu'on dit oui au Seigneur, Matéen. C'est au moment, oui. Je dis à ce jour pas oui. Année passée, année pas, oui, c'est moi, et janvier, moi, c'est moi pas, oui, c'est moi ça pas, nos amis pas moi. C'est pourquoi c'est que le Seigneur. Que le Seigneur matin lui bénisse, que le Seigneur matin lui fortifie, que le Seigneur matin lui encourage, et le kembe ou dans grâce lui. Et pas oublier, Jésus-Christ notre Seigneur, il est la tête de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Afin d'être en toi, le premier. Je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Shalom, shalom. Bon dimanche. Bonne journée à vous. Bye bye.